marche pas, c'est pas très grave. Mais je pense que ça va être PS2. Étonnant que ce soit. Étonnant que ça parte sur des conneries du style Turn and City là pour le coup. Et donc tout de suite PS2. Ouais. C'est 2 contre site 3. Hein. Et donc bah là, oui, mais vraiment, on y arrive. Hein. Donc là pour le coup, vraiment, on est sur un match assez intéressant. On est sur un match qui est vraiment cool. En plus, c'est la stéphanoiserie contre la lyonnaiserie. La lyonnaiserie, bien sûr. 61% quand même d'infligé. Bon, par contre, ce Hulk qui met énormément de dégâts, vraiment il s'y met extrêmement bien, 84%. Et oui, mais le problème de gérer Greninja, de gérer Olimar, c'est savoir quand garder sa phase d'avantage au profit, peut-être pour Olimar, de quelques pourcents sur les Pikmin. Ouais. Et quand vraiment se débarrasser des Pikmin parce que ça fait trop mal, quoi. Clairement, ça fait mal. 84%, j'ai l'impression que Sager a été en avantage tout le long. Ouais. Et les pourcents sont even. Et c'est ça la puissance de Olimar aussi, hein. Il n'y a pas besoin d'être en avantage pour te mettre des dégâts. Oh, le kunai qui passe au travers du du Pikmin. Allez, on va récupérer ça pour le coup. Forwarder, on essaie de placer un petit forwarder, un petit kunai là qui pourrait nous récupérer la stock parce que mine de rien, Olimar il est léger. Donc il faut le taper le plus possible. Allez, va les récupérer, c'est maintenant. Le Traler fera peut-être même bientôt le taf. Oh, ok, le contre vers le haut pour être safe. Il a raison. Et sauf Forder encore raison. Forder, bien vu, Olimar. Pour l'instant, vraiment, c'était bien calibré, c'était bien joué. Bien calibré. Bien au jeu. Ouais, on joue très très bien, effectivement. Et donc, je suis à peu près sûr que. Oh là, tous ces pourcents, et voilà, c'est la fin de Greninja, malheureusement. Je crois que ce B était un miss input. Et. Et je crois que, si je ne dis pas de bêtises, le Pikmin bleu est immunisé au. A beaucoup des coups de Greninja parce que c'est des attaques d'eau. Effectivement. Typiquement le neutral air. Typiquement le neutral air, ça ne fait rien au Pikmin bleu. Donc pour le coup, va falloir trouver autre chose. Allez, par contre, petit appareil malenjon qui va pas pouvoir passer. Par contre, le kunai apparemment. Le kunai, c'est un coup d'épée. Et le kunai, c'est un coup d'épée, c'était pas un coup d'eau. Oui. Non, c'est du physique. Je crois que justement, les attaques spéciales sont codées comme de l'eau et les attaques physiques sont codées comme. De la bagarre, et donc le shuriken d'eau aussi a cette propriété de ne pas tuer le Pikmin bleu. Effectivement, attention quand même, hop là, le Slash va pas pouvoir passer, par contre. Et le gros coup de pied dans sa face. Bien vu ça. C'est pas une option qu'on a l'habitude de voir, parce que c'est pas forcément une option très safe. Ouais. Mais ça permet de passer au travers de pas mal d'embrouilles. Ouais, là pour le coup ça l'a vraiment, ça l'a bien aidé là pour le coup, petit Saiger. Ouais, 106% quand même d'infligé. 106%, mais déjà 33% sur le Olimar. Ouais. Lui il est là pour prendre de l'avance, hein. Et non, arrête de neutral air ce Pikmin bleu, ça ne sert à rien. Hey, oh là là. Le backer de Olimar qui a pas encore eu raison de. Oh, backer ? Aïe, aïe, dommage. Ok, c'est bon, donc, ça va au moins pouvoir récupérer cette deuxième stock. Oh, le Pikmin blanc qui a pas passé longtemps sur notre terre. Ouais, attention, 56% quand même la France. Le down air au Pikmin blanc qui fait pas beaucoup de dégâts mais qui permet aussi à. À Davianel de récupérer le stage control. Et donc il est de retour sur le setup de killer avec le Pikmin bleu qui est difficile à enlever pour Greninja. Et le Pikmin violet qui fait mal. Le Pikmin rouge qui fait mal aussi. La petite dash attack là qui lui permet de récupérer un petit peu le contrôle de stage là pour l'instant. Et là il mérite bien ce contrôle de stage. Ouais. Attention quand même à pas se faire avoir parce que mine de rien, par contre le Pikmin violet qui met énormément de dégâts. Et l'avantage est de retour côté Davianel en tout cas en 4. En termes de pourcent. Ouais. Et t'as vu, diagonale vers le bas. Ah non, il le prévoit bien. Pour le coup, il se met extrêmement bien. Attention. 130%. Oh là là. Et toujours des nerfs. Toujours des nerfs sur les. Pas à l'atteindre. Toujours des nerfs sur les Pikmin bleus. Depuis tout à l'heure, vraiment, il n'arrive pas à l'atteindre. C'est terrible ce qui est en train de se passer. Ce Olimar qui n'arrive pas à toucher son adversaire. Oh, ça touche pas. C'est de la merde, Greninja. Bravo, Greninja. C'est pour ça que peu de gens te jouent, malheureusement. Beaucoup de style, énormément de capacité, mais de temps en temps des petites inconstances qui font que. Hey. Et très beau punish. Petit pop-off. Paris punish. Petit pop-off parce que quand même il nous aura fait suer hein, ce chef d'entreprise là, ce directeur des ressources humaines. Et oui, et le travail est fourni. Ville grenouille.
C'est ça. Mais la ville grenouille, pour l'instant, c'est elle qui mène la danse. C'est ça. Et oui, bah, Davianel qui a beau faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de pourcents, même en désavantage. C'est Sager qui allait qu'il confirme. En tout cas, dans ces situations-là. Est-ce que ça prend. Est-ce que ça prend Luigi, tu vois? Je vois dans le. Luigi Greninja. Je vois dans le chat, vous êtes chaud qu'il prenne Luigi. Luigi Greninja, ça m'a l'air awkward comme match-up pour Luigi. Ah, je sais pas, ouais, hein. Ouais. Non, ça il garde, reste sur Olimar. Ça garde Alf. Alors, on dit dans le chat que ça a l'air dégueu, effectivement. Il y a des gens en fuite, ça doit être dégueu, ouais, effectivement. Mais Rian l'aurait battu. Rian, il l'aurait fait, lui. Rian, il est trop fort comme Luigi. Je crois que oui. Le Luigi de Rian n'est pas remis en question par notre. Oh non! Oh non, bah, de toute façon, c'est Smash Ultimate. Il hein. y a un Ganondorf qui fait des tops régulièrement ici. Donc, au bout d'un moment. Personne comprend rien au jeu. Moi, j'ai décidé d'arrêter de regarder des tier list, voilà. des Smash Data. Qu'est-ce que ça nous fait au final? Moi, j'aime bien dire. J'aime bien parler du jeu parce que c'est pour ça qu'on est là aussi à l'heure actuelle. Mais. On parle du jeu actuellement? Oui, je crois. Ah, d'accord. Ouais. Hop là! Greninja qui prend une stock! Par contre, lui, il parle pas du jeu. Lui, il le joue là. Lui, il vit le jeu actuellement. Là. Il le vit pleinement. Lui, il est en train de capitaliser pleinement sur ses phases d'avantage offstage contre Olimar qui, effectivement, il a un bon up B. Il peut taper pendant, ça fait peur. Mais. Ça reste toujours assez limité en offstage. Surtout s'il veut garder ses Pikmin dans la main. Ouais. Petit bacard là-dessus, sans intervention quand même d'un petit G, on va peut-être essayer d'aller récupérer ce downer qui permet de rester safe, enfin, y a peu de persos qui peuvent le pinger, mine de rien. Non, c'est pas grave, on va quand même remonter. Pied B pour remonter tranquillement sur le champ de bataille, la dash attack qui va pas pouvoir. Enfin, dive. Et de patate qui va tout simplement le piéger. Le set play, on en avait parlé. Ah ouais, non mais vraiment, très très bien. Très très bien, moi j'accepte ce genre de choses. Il était là, le up smash. Et ce F-Smash qui va prendre la stock Sager qui a une stock entière d'avance beaucoup plus convaincant qu'à la game 1. Ouais, non, Sager là pour le coup il se met plutôt bien. Je pense qu'il a un petit peu compris comment jouer face à Olimar. J'ai un peu peur que le stage pick de Davia ne lui serve pas forcément à grand chose, voire lui desserve. Parce que là, Greninja il est capable de maintenir une pression qu'il avait pas sur l'autre stage. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après bon, pour l'instant la pression elle est plutôt maintenue par Sager. Eh oui, c'est ça. Hey, ça tue pas. Ça tue pas, mais par contre il le met vraiment dans une sacrée panade. Allez, 111% déjà sur les dernières stocks de Davia. Et ça ne fait qu'augmenter ce downer qui touchera pas. Ouh, et ce forward air flèche agressif. Ah ouais. On voit pas souvent ça de la part d'un Greninja. Hein. Ah ouais, non. Il va prendre Luigi Game 3. Tu on penses nous annonce dans le chat. Ah ouais, dans le chat, vous êtes des devins, c'est ça actuellement là. Vous êtes en train de nous dire que. Écoutez, que Game 3 ça prend du Luigi, comme ça. Ouais, ça dit prendre Luigi, ça mettre 3 grabs et GG. Mais le problème. Ça prend du Luigi en Y. Le problème, c'est ça. C'est que les combos sur Greninja, c'est pas simple. Il est petit, il tombe très vite. Et c'est pas forcément évident de les mettre. Et c'est pas forcément les mêmes timings que la plupart des autres personnages. Tandis que du coup, ça tergiverse un peu sur le stage. C'est normal de prendre du temps entre les matchs. On retourne sur Smashville. Visiblement, pas de soucis de map, pas de questions. Mais cette fois, c'est Luigi. Il est là avec sa casquette verte et sa petite voix rigolote. Oh non. C'est exactement ça en plus. Allez, c'est parti. En plus, et il a mis son plus beau smoking. Ah bah, il faut être élégant. Ça veut dire que du coup, il faut être élégant non seulement, et surtout, il faut compter sur sa chance pour sortir plein de misfire. Il fait du gambling, Luigi. Hein, vraiment. Je rappelle que canoniquement, Luigi veut que vous dépensiez de l'argent pour jouer au casino. Ah bah, Luigi est croupier. Ah ouais. C'est d'ailleurs cette tenue-là exactement. Et c'est exactement cette tenue-là. Et le down B de Luigi qui va lui permettre de sortir quand même des phases de Sager s'il est trop gourmand.
Et par trop gourmand, j'entends littéralement off d'une frame. Upper, upper. Oh, c'est okay. Le grab. Et bam. Oh, mais oh, il envoie si loin. Ça tue pas, mais par ça contre. Tue pas, mais déjà. S'il y en a une prochaine, je. Vraiment, je. Aïe aïe aïe. Je suis prêt à parier ma. Je suis prêt à parier mon. Je sais pas quoi, mais je vais trouver quelque chose. Que le prochain dans l'air, ça tue. Hein. Ah bah oui, non, là c'est sûr. Là, le prochain up smash aussi d'ailleurs. Ouah. Il est là. Ouah. Et oui, petit backer, le Luigi qui a du mal à avancer par petit backer. Ah bah là, le Greninja est passé en mode défense et quand même un up smash. Voilà. Ça, j'ai bien aimé le petit reverse up smash là. Ah oui, non, mais c'est. La classique frère Mario plus Doc. Je vous jure que les. Je vous jure que Mario il rêve d'avoir le up smash de Luigi. Hein. Mais c'est ce que les gens qui jouent Luigi disent. Et moi je pense que les deux rêvent d'avoir celui de Dr Mario. Oui, c'est vrai. Ah oui, Dr Mario bien sûr. Voilà. Alors Dr Mario bien sûr, on veut tous l'avoir. Mais celui de Luigi par contre, vraiment, pas mal, hein. Ça touche devant et tout. Moi j'aime bien. Hein. Un peu plus rapide que celui de Mario en plus. C'est ça. Non mais je te dis, y a que des qualités. Oh! Et qu'est-ce que t'avais dit? Prochain down air, il tue. Bah ouais, hein. C'était juste pas cette stock là. C'était juste l'autre stock, effectivement. Et ouais, assez impressionnant. Il a tenté le footstool, le pied tabouret, mesdames et messieurs. Je vous jure. Ah! Ouf! Oh, par contre, il l'envoie vraiment super loin. Allez, on va remonter. En plus, mais c'est pas sans prendre des pourcents. C'est dommage, côté Sager, il a pris quand même 15% sur une phase d'edgeguard à lui. Ok. Ah, mais en plus, ce shuriken. Ah, mais le shuriken, il est encore là. Ah, mais oui, il était juste en dessous de la caméra. Il était bien caché. La caméra ne filmait juste pas. Ah, d'accord. Ah, c'était un oscope, hein, on peut le dire. Ah, ouais, vraiment, c'est vrai, en plus, c'est un oscope. Ah là là, j'adore. Et quand même, cette stock d'avance pour Davia qui le met dans une position confortable. Ah ouais. Peut juste se contenter d'essuyer ses bottes sur la ledge. C'est ça. Et d'attendre le jour qui passe. Le jour peut-être où il va pouvoir mettre un down air ou un up smash ou un back air. Bon, back air sour malheureusement. Allez, et voilà, il est là le back air sweet spot. Allez, nickel. Il est là. Il est là. Et allez, mesdames et messieurs. Davianel qui a pas dit son dernier mot. Oh et non. Loin oh bah non. De là. À partir du moment où tu sors Luigi, effectivement, tu n'as pas dit ton dernier mot. Je pense que tu n'as même pas commencé à écrire ta disserte. Là, il a commencé. Il y a une ébauche d'introduction. Ouais, là. C'est ça. Mais c'est un beau roman qu'il est en train de se préparer. C'est un beau roman. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Alors que Chirurgien dans le background se prépare à tabasser soit Greninja, soit Luigi Mar. Let's go. On m'annonce que Tonio c'est Stéphanois dans le chat. Quoi? Attends. Attends, mets la scène du jeu là. Ah merde, c'est pas la scène du jeu. Excusez-moi, pardon. Tu peux réfléchir attendez, quoi à ta Stéphanerie. Attendez, il y a quelque chose que je ne sais pas là. Aïe aïe aïe. Tandis que les parents de Tonios sont dans le chat. Déjà que je suis même pas lyonnais, alors si en plus on dit que je suis stéphanois, ça fait mal. Ça va être terrible. Et c'est la fin de la stock sur un tech raté. Davia qui commence donc sur les chapeaux de roue avec une belle avance. Down air, nair, down air. Oh, hey. Oh, dommage, pas plunger, de... plunger. Et voilà, et c'est ça qu'on disait, c'est facile d'être en retard sur les combos sur Greninja. Parce qu'il tombe vite. Mais déjà 68% et une stock d'avance sur l'ami Sager. Qui galère un peu à s'adapter. Bon, tout va bien. Tout va bien, la tornade malheureusement qui va pas pouvoir passer. Grab là-dessus. Non, alors qu'il y avait un shield, c'est un peu dommage. Backer. Ah ouais, et ça c'est F smash. Les WAD. Et ouais. Le petit coup de plat. C'est ça. Le coup de pas karaté. Allez, c'est tout bon. Allez, 100%. T'as vraiment, par contre, il se met bien, Davia, avec son Luigi là. Attention, il a perdu une stock sur un misfire mal puni comme ça.
pour remonter sur champ. Ah bah t'as tranquillement, il fait trop peur. Petit nerf. Ok, nerf de shield. Bah oui, il le fait pas beaucoup. Hein. Ouais, ça marche bien. Il fait pas non plus de up B out of shield pour l'instant, mais c'est parce qu'il est au courant de ce que Greninja est capable. Nerf down B, ça va tuer. Quel confirme là, Luigi plus. Avec de la rage. Ah ouais. C'est 5-5. Il se met bang bang. Il se met vraiment très 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 bien. Bravo Davianel du coup qui égalise au final hein, qui met ses petits dégâts sur son adversaire. Alors là pour vous faire on fera un point bracket juste après cette game 2-2. Je pense qu'on aura le temps de faire un petit point bracket après cette game. D'ailleurs je vais même en profiter pour hop, ça doit être là, non c'est là. Hop. Alors attendez, tout va bien, je ne vous ai pas oublié, voilà. Voilà. Et donc, petit changement de stage, peut-être psychologique, peut-être pas la musique de Tetris. C'est Tetris ça? C'est Tetris, ouais. Oh, purée. Ça a Tetris, ça type C. Ça a géchant. Oh bah alors. C'est pas, alors c'est pas The Tetris, c'est l'autre c'est Tetris. Pas c'est pas le Tetris thème B là, que tout le monde c'est joue. Ça, c'est le thème B. Enfin, non, c'est le thème, justement le thème, c'est le thème B, c'est ça, je crois. Le thème B, c'est celui que tout le monde connaît. C'est le thème. Da, 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 oui. Da, da, da. Je crois que c'est. Oui, je sais. Ça, c'est le C, je crois. Ah bon? Ouais. Ok. Ça se trouve, c'est pas Tetris. Hein. Malheureusement, je suis un nerd. Malheureusement, je ne suis pas un nerd de Tetris. Ah, moi, je suis pas un nerd de Tetris. Par contre, je suis un nerd de la musique. J'adore la musique. J'adore la musique. J'ai un. Les gens qui font ouais dans le fond de la musique. Waouh! Et la dash attack de Luigi qui a failli avoir raison. De Sayer, le down B en couverture qui passera pas, il connaît ce timing. Ah ouais, pour lui, il se met vraiment très très c'est bien. Dash c'est get up attack, ouais. Faut pas que ça devienne un automatisme parce que ça va être puni par Davia. Au bout d'un moment, ouais, il va commencer à avoir son numéro là. Vraiment, ces reverse pairs de Luigi qui sont terrifiants pour Greninja. Dash attack malheureusement qui va pas pouvoir passer. C'est très bien là pour l'instant. Sayer il attend, hein. il va pas trop loin. Il sait que sur une erreur là il peut mourir parce qu'il est quand même à 141. Il a du mal. Et voilà. Et c'est ce que tu disais. Après, est-ce que c'est une erreur de prendre un downbeat Luigi? C'est compliqué hein. C'est compliqué. Il y a de l'invul. Je pense que c'est pas si évident que ça à appuyer hein. Pour le coup. Ah non, c'est très dur à appuyer. Oui, avec toute cette invul au début du move. Dire une tornade, c'est pas si évident. Hein. Donc vraiment, les gars. C'est vrai. Au camp de ça, ils ont toujours pas trouvé comment on fait. Mais... Hey. Coup de pied, dégage de là avec tes moves de combo. Sayer qui fait de son mieux, qui s'en sort déjà mieux qu'à la game d'avant. Mais, ouais. Mais c'est compliqué pour lui de trouver cette soc. Oh, le boule de feu qui juste empêche toute. Toute tentative F-Pro de faire quoi que ça ne tuera pas encore. Il y a un coup à jouer. En ledge trap. Ce F-Tilt qui tue en ledge trap. Hein. Mais qui n'aura pas touché cette fois. Le nerf qui tue presque. Ah, il en est à tuer avec le nerf. C'est compliqué là. Tandis que Davianel est full rage. Et que du coup la stock de Greninja peut exploser à tout moment. C'était presque là. Alors, on va récupérer tout ça. 169% sur Luigi, le back air qui a presque tué. C'est compliqué. Hein. Et il se fait pas avoir par ce Shadow Sneak. Up throw, ça tue, voilà. Oh. Ok. Sayer qui est. Vraiment, qui a choisi cette musique? Trop drôle en vrai. Mais oui, elle est très rigolote. Mais c'est très elle a vraiment aucun sens. Elle a vraiment aucun sens cette musique, elle est très drôle. Hey, petit back air. Ça n'a pas encore récupéré la stock, mais par contre, on est vraiment pas loin. Hein. Allez, la tornade qui va rien faire du tout. Up smash, ok, très bien, ça me va. Encore ce forwarder of ledge hein, qui lui a servi déjà plus tôt dans le match. Bah, en vrai, il le fait quand il voit le up smash, donc il se dit bah vas-y. Hein. Donc en fait, c'était la bonne punition en vrai. Physique de Golemon dans le chat. C'est vrai que tu perds 2 neurones quand tu l'écoutes. C'est vrai que tu perds quand même 2 neurones hein, quand t'entends cette. Les recovery. Oh pardon. Alors qu'une petite get-up attack aurait pu faire le job. Ouais, mais il a décidé d'attendre. Peut-être pour punir plus fort. Mais ça n'était pas la bonne option. Et là, Sayer qui remonte. Voilà. Et Sayer qui pourrait peut-être aller récupérer le 3-2 face à Davianel. C'est de ça qu'il avait besoin, c'était d'une stock comme ça, bien early, bien comme il faut. Ces F-Smash qui lui ont tellement servi contre le Olimar, ouais. Il en a mis
C'est le premier qui met contre Luigi. Ah, va falloir tout donner. Ok. Ok, on recule, okay. On fait attention à ce tornade. En plus, on place important. Le petit jab. Pour l'instant, on se met plutôt bien. On met les 45%. Il s'agirait quand même de pouvoir récupérer un petit peu de pourcentage. Et surtout, tu vois, on met des petits coups safe. Tu vois, on recule, on essaye de placer un excellent spacing sur ce Luigi. Mais par contre, il se rapproche. Il est là. C'est bon. C'est amené off stage par le Greninja. C'est bon. Mais par contre. J'ai cru au B. J'ai moi aussi. On l'a tous vu. On l'a tous vu. Mais tout le monde n'est pas Hungry Box. Ah, c'est ça. Hey. Tout va bien, les 101% là quand même, ça commence à devenir un petit peu compliqué. 114, ce sweet spot back air. 115, attention quand même à cet aspirateur qui nous embête un petit peu, le upper qui va aller punir cette tornade. Il n'en sera rien, le back air qui va essayer d'aller récupérer la stock sur ce Greninja. Il est à 122%, ça commence à devenir un petit peu compliqué. Le upper qui aurait pu être passé encore une fois, il n'ose pas le faire. Je suis sûr qu'il n'ose pas le faire. Oh là là, non, cette back throw qui va avoir raison de Saiger. Aïe. Extrêmement serré. Il a failli le faire. Effectivement. Il a failli le faire. Reverse 3-0 pour Davianel qui passe en winner final. Ouais. Il suffisait d'une casquette verte pour récupérer la victoire.